Ah ouais. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales, c'est gâté pour lui. Je vous ai dit, j'ai les meilleurs réseaux de renseignement en Guinée. Baba Bari, ça dit, vous faites souffrir la population. Les docteurs Kassori sont en prison de façon injuste. Les Damaro sont en prison de façon injuste. Les leaders politiques aujourd'hui sont piétinés. Baba Bari, le numéro 2 des forces spéciales. Vous savez, quand il n'y a pas de baraka dans ce que vous faites, c'est comme ça que vous perdez. Baba Bari, l'argent que tu as détourné, tu as vu comment ton petit, le lieutenant, je tais le nom, mais eux tous, ils savent déjà, tous les éléments des forces spéciales savent de qui je parle. Le petit Ababa, son chauffeur, le lieutenant, l'argent qu'on prend, qu'on retire dans les caisses de l'État pour entretenir les forces spéciales, Baba Bari, des milliards et des milliards, il confie ça à son petit d'aller déposer pour lui. À face, comme on dit en Sosokwe. Lui aussi, le petit, il n'est pas maudit. Hein. Le petit a pris des milliards. Le petit a pris des milliards, il s'est cherché. Le petit est parti. Voilà. Vous savez, on vous avait prévenu. On vous avait tout dit ici. Baba Bari, les enfants, les petits des forces spéciales qui souffrent actuellement, qui galèrent actuellement, on puise l'argent dans les caisses de l'État. Et lui, à l'absence du numéro 1, Spartacus, je vous ai dit, il est rentré la semaine passée. Donc, Baba Bari, c'était lui le commandant, c'est lui qui faisait tout. L'argent, vous savez, c'est un monde de business, d'escrocs. Lui aussi, il va appeler Mamadi Doumbouya. Ah, les enfants, ils ont besoin de ça. Voilà, pour être dans l'esprit, il faut donner ceci, cela. Il faut nous donner ça. Des milliards et des milliards. Imaginez. Ils sont à plus de 3000 aujourd'hui, les éléments des forces spéciales. Il y a près de 1000 qui sont en formation actuellement. Imaginez, les primes, jetons de plus de 3000 personnes pendant des mois. C'est-à-dire, on envoie des milliards à son niveau pour s'occuper des éléments des forces spéciales. Lui aussi, il donne, si c'est 100 dollars qu'on doit donner à chacun, peut-être il les donne 10 dollars. Mais à son petit, qu'il a confié l'argent, d'aller déposer le petit aussi, ce c'est Nagama Afasa Afa. Donc le petit aussi, lui, il a pris la tangente parce qu'il sait. Cette transition-là est déjà gâtée. C'est ce que j'ai dit, même ceux qui sont derrière Bala Samoura. Si vous êtes des maudits, restez. Si vous voulez terminer comme des Marcel, asseyez-vous. Ça dit, si vous avez l'occasion, ne prenez pas l'argent. Awa, Baba Bari, tu vas te justifier aussi. Comment tout cet argent des milliards, on parle de plus de 5 milliards de nos francs, plus de 5 milliards, plus que ça même. Comment toi, tout cet argent, et d'ailleurs peut-être qu'il a fait, le petit avait l'habitude d'aller déposer. On est en train d'humilier des personnalités, des gens qui ont étudié, des gens capables d'aider ce pays, on est en train de les humilier à faire de la CRIEF. Pendant ce temps, ceux-mêmes qui disent qu'ils sont venus pour la refondation, ceux qui ont tué la garde présidentielle d'Alpha Condé, sont en train de voler des milliards et des milliards. Baba, wallah, c'est karma. Baba, c'est karma. Vous êtes en train de faire souffrir les Guinéens. Baba. Spartacus, ça c'est l'information pour toi et vous pouvez bien vérifier. Nous voulons tous que ce pays-là aille de l'avant. Spartacus, vous voyez, pourquoi personne ne parle de Spartacus? On voit les Bala Samoura aller tomber sur des gens. On voit les Amara aller tomber sur des gens. Quoi qu'on dise, moi, depuis que je fais le live, attends, le maudit qui dit d'arrêter ça là, je vais te bloquer. Maudit là.
parce que vous les ethnos, là, quand, parce que j'ai dit Baba Barry seulement, lui, il est énervé. Spartacus, quoi qu'on dise, depuis que je suis dans le blog, personne ne m'a appelé pour dire Spartacus est venu ici. Spartacus a fait ça. Jamais. Je n'ai jamais entendu ça. Depuis que je suis dans le blog. Donc, Spartacus, il faut vérifier. L'argent que Baba Barry a reçu, le numéro 2 des forces spéciales, à votre absence, l'argent qui a été débloqué, l'argent qui allait du côté des forces spéciales, demande les enfants, ils ont reçu combien? Et il faut demander aussi à Baba, où est son petit, le lieutenant, son chauffeur, son bon petit, où est son bon petit? Le petit a pris la tangente. Ça dit, on ne peut pas construire un pays dans le mensonge. Pendant que eux, ils sont en train de voler des milliards sur le dos des Guinéens. Des cadres, ceux qui ont étudié pour le pays. Ceux qui peuvent, tous les grands projets, Dr Kassori, ceux-ci l'accroupissent en prison. Luceni Camara est mort pour une histoire de 20 millions. Pour une histoire de 20 millions. Les Damaros sont en prison. Malgré, ils ont donné des détails sur les dépenses qu'ils ont eu à faire. Dans 15 milliards, 6 milliards sont restés. Mais malgré tout ça, ils sont en prison. Des personnalités qu'on humilie. Mais ceux qui sont venus qu'aux forces spéciales, quand ils sont venus sauver le pays, c'est le numéro 2 aujourd'hui. Baba, dont son petit a fui avec une forte somme, l'argent destiné au paiement des éléments des forces spéciales. Parce que le nombre aujourd'hui dépasse plus de 3000 aujourd'hui. Tout cet argent, Baba Barry, je vous ai dit karma, tant que vous êtes injuste, wallah, ça prend du temps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va vous humilier. Quelle que soit la durée, mettez le cœur, parce que les bandits, ils ne veulent pas qu'on parle. Quelle que soit la durée, ils vont vous humilier. Baba, au lieu de conseiller Mamadi, on vous a dit, la durée de la transition, ça n'allait pas être un problème. Mais lorsqu'il n'y a pas la volonté, lorsque vous abusez des autres, le pays là, appartient à tous les Guinéens. Un petit clan, un petit groupe. Vous qui dites que vous êtes venu pour sauver le peuple de Guinée. Baba Barry, te voici aujourd'hui. En tout cas, Spartacus, il faut bien vérifier. Il faut bien vérifier maintenant. Si vous trouvez que je mens, dites à vos petits blogueurs, appelez-moi, je ne fais plus de vidéos. Voilà. Parce que je ne vais pas dire le nom du jeune. Ceux qui savent déjà le petit sur de Baba, ils le connaissent. Le petit n'est pas maudit. Parce qu'il sait que le temps qu'il va faire dans les forces spéciales, il n'aura pas plus de 5 milliards. Toi, on te donne ça. Va déposer ça à la banque. Un individu, le numéro 2 des forces spéciales. Tu donnes tout cet argent à son petit, va déposer. Mais le petit n'est pas maudit. Petit, moi-même, je te respecte. En tant que général, je te respecte. Non, Dibar Kamaya Tinira. Non, petit, tu es vraiment béni. Et on va te donner plus de 5 milliards. Dans Kanana et Tamfora, Iakolo, l'argent a été volé. Un voleur te donne l'argent. Le propriétaire, c'est la République de Guinée. S'il sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas donner à la République de Guinée. Hein? Donc, moi, je lui tire chapeau. Hein? Petit, il fait Nagan Nabare. Il va la faire Fayatiraba. Mouniatino Kobri Mounien. Et Soïra. Il va la faire. Voilà. Maintenant. Notre deuxième partie, on vient sur le menteur Charles Wright. Charles Wright, tu as vu, tu as condamné la petite là. Quand il y a eu l'évasion de la maison centrale, tu es venu. Vous n'avez pas fait d'enquête, Charles Wright. Vous n'avez pas fait d'enquête parce que vous avez voulu. Vous avez vu la petite garde pénitentiaire. Qu'est-ce que cette fille là? Qu'est-ce que cette fille-là pouvait faire face aux commandos qui sont venus armés pour libérer le colonel Claude Pivy? Voici ce qu'ils ont annoncé. Triste fin pour Mabin Tissouma, gardienne pénitentiaire arrêtée et radiée de l'effectif de la garde pénitentiaire en novembre dernier après l'évasion de Dadis de Claude Pivy. Elle fut accusée de complicité d'évasion
avec 17 autres gardes par le ministre Charles Wright. Déféré à Kindia avec le régisseur Mamadi, lui aussi radié, Mabinti a été injustement détenu pendant 8 mois sans être jugé. 8 mois sans être jugé. Lors d'une fouille des cellules en juin dernier, les gendarmes ont emporté son médicament de l'hypertension artérielle. Malgré de nombreuses réclamations auprès des régisseurs, elle n'est jamais rentrée en possession de ses médicaments. Ce qui a aggravé sa maladie, Mabinti a rendu l'âme ce matin. Charles Wright. Je t'ai dit, Charles Wright. Wallahi, imuheri satoma. Charles Wright, tu as vu le restaurant que tu as acheté pour ta copine en France. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? On t'a vidé aujourd'hui. Itan, quand tu ne cherches pas la braca de la femme qui a versé le sang pour toi, tu es sorti ici, tu as raconté de n'importe quoi sur ta femme. Wallah, Charlie Mouheri Sotoma. Mafalama, dans la vie, là, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu nous a donné la chance de nous repentir, de demander le pardon. Tant que Charles Wright, Imusiga ira Guinée, Iya Madie, Nara, Diyiri, Di Naniba, parce que l'autre, elle avait déjà un enfant. Tant que tu ne vas pas demander pardon à cette femme, tu n'avais rien, tu n'étais rien. Quand tu as eu de l'argent, les autres maintenant, tout le monde a commencé à te voir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Voilà. Mais comme il y a des gens qui ont été en train de se faire, tu as acheté le restaurant. La dame, elle t'a viré aujourd'hui. Tu es parti chez ton petit parce que c'est semi-irato. Pour donner à ton petit, on t'a viré là-bas encore. Charles, tu es presque SDF. Et mon nom a loué France ou non. Comme il sait, c'est mouira. Tout ce que tu as eu à Bérissigane est fouet. Charles, à Bérissigane est fouet. Parce que Barka, on ne joue pas avec la justice. On dit que vous êtes les représentants de Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Il faut finir là-bas. Mabinti Mato. Est-ce que celle-là, elle était armée pour faire face au commando? Le fait de chercher le nom, la fille, elle est morte. Ça, ça doit rester sur ta conscience, Charles. Nanara Erafé, je ne peux jamais t'aimer. Marana Fale, Ibe, même fois. Tu as vu? Il y a tort, comment tu es en train de finir? Il ne faut pas aller demander pardon à ta femme. De Romaine, tu es encore jeune. Il ne faut pas aller demander pardon à la femme qui a eu des enfants pour toi. Nara Toro Erafé. Nara fait birinaba Ibe. Charles. Il a fait Kobia, tu vas voir. Wallah, quand il finit clochard, soit il finit clochard la Guinée, ou soit il finit clochard France même. Mais Guyo, personne ne va t'aider maintenant. Parce que mon Dieu fait falané, tu as accusé des gens. Tu as vu même le dossier de Babila. Traoré, que toi tu as aidé. Tu as vu quelqu'un qui a dénoncé, qui a parlé de parfum de corruption. Il a rencontré des marchés de gré à gré. Où tu t'es fait des milliards. C'est pourquoi tu as acheté ces maisons-là à l'étranger. Charles, il a fait un ami d'eto. Barka na meguyo fora. C'est pas parce que Inga, ta maman va bénir pour toi. Mais Guinéo, ou les filets, il a fait. Il a ma irana Guinée Binja. Il m'a mené ma télévision. Na Guinée fait faire à baïbe. Vous ne voyez pas, moi, j'ai pas le temps. Quand même, non, m'en combide, à non kenene yabi. Mais Guinée nous t'en combi. Guinée nous voulait yo sangouma. Ça ne me dit absolument rien parce que Guinée n'a pas rien. Ma falama, n'a Guinée Yarabi. Ma falama, n'a Guinée Yarabi. Mais il m'a dit, Dunia, Adonwe, Yato, Mane. Et Mato, il restera sur la Guinée. Tout temps, il a difficulté. Nabara, c'est là ta fait d'aujourd'hui. Aïe, virer. Mais si tu avais donné à ta femme, il restera dans la Sara Guinée. Si tu avais donné ce restaurant à la mère de tes enfants. Nani to kontafili yokui, nani malimane. Et na me ena fala barkatare, awa barkatare ya nanaki, Charles Wright. Inu lama ira raba nagambe, ima raba nabe. Mgyo di baribe, ina raba kanyibe. Imu nimisama, Charles. Les autres qui disaient, eh, Charles Wright, aso riki, hamine riki. Le résultat, nana ranta nou fisiri lombali, moufema lama, même kobri findi yira, kobri ni yira, ifindi mgyora. Le résultat maintenant, c'est amer pour toi. C'est amer pour toi.
Abara y est échappé. Tu as eu l'opportunité. Il finit ministre de la justice. Et d'ailleurs, même Efabo de Safari, même. Ministre d'État en plus. Ce qui veut dire que tes supérieurs, s'ils ne sont pas là, Itayat n'a pas fini de. Tu remplaces le président directement. Ministre d'État. Et n'a titre birisoïre. Mais toi, tu as une amindeto. Dans la poubelle. Dans la poubelle. Parce que Barka a fait mané. A fait mané, Charles. Tu as fait l'injustice. Et maintenant, tu continues encore à faire l'injustice. L'affaire de Babila. 3 millions, c'est rien. Babila peut payer ça. Mais tant que tu continues à influencer les gens que tu as nommés par affinité pour continuer à salir l'image de la justice guinéenne. Charles, wallahi mouheri sotoma. Tant qu'on a voulu faire, on mouheri sotoma, Charles. Madame Falaïbe, tout ce que tu as acheté en Europe, tu vas tout perdre. Il n'a qu'un birin sera en Europe. Tu vas tout perdre. Parce que Barka Yomi Fora, Charles Wright. Barka Yomi Fora. Kabarka ni Fora. Wallahi n'a qu'un masoto riki. Ibangi sara mribe. Guinébe. Tu laisses la mère de tes enfants. Tu laisses la maman de tes enfants. Charles. Fouyantia Amunaki. Fouyantia Amunaki. Iradienga. Dinani na inu guiné na rantagi. Kere na inu bore tagi. Nenuto condition yo wallahi e mali mané. Mais tans bangi sara guinébe parce que à tout fin. Ira beauté pendant ce temps, c'était l'argent. Maintenant, ça c'est fini. Et bara et Kelly, parce que colon, tu ne peux pas justifier. Tu as volé la République. Tu as menti, tu as volé. Ce n'est pas ton salaire. Trace your mom, tu as volé. Tu as fait des détournements en Guinée pour aller investir ailleurs. Charles, vous êtes en train d'humilier le docteur Kassori. Ne biri hakenana minifeo. Quoi qu'on dise, Mamadi. Moi, je le dis haut et fort. J'aime pas Mamadi, la Guinéka. Ça dit, j'ai pas besoin d'expliquer ça aux Guinéens. Bien dans ma position, Kolo. Mais quoi qu'on dise, quand il y a eu le coup d'État, si Mamadi avait l'intention de faire le mal au docteur Kassori, au Damaro, au docteur Diané, c'est le même jour que Mamadi allait attraper tous ces gens. Mamadi, c'était le nom. Mamadi, c'est le nom que lui, il adore. Mais c'est vous. Les Amara, les Bala Samoura, les Idi Amin, c'est vous qui avez poussé Mamadi à arrêter le docteur Kassori, à faire le mal à Selou Dalé. Mais vous allez tous se récolter un à un. Ce n'est pas Amara qui est là aujourd'hui. Amara aussi n'est pas dans le même pétrin aujourd'hui. Hier, vous étiez tous forts, super ministre, ministre d'État. Wallahi, karma de Dieu, ça ne dure même pas. Karma, je vous ai dit, cette transition, ça va rester dans les annales. Amara aujourd'hui, ne voyez pas Amara en train de défiler. Amara est prisonnier déjà. Lui, il est plus prisonnier que même les docteurs Kassori qui sont en prison. Lui, son cas est grave. Il suffit que des bonnes personnes aujourd'hui approchent Doumbouya pour dire « Ah, il faut laisser ces gens-là. Mamadi va les libérer. » Mais lui, ce que Doumbouya a appris de ses collaborateurs aujourd'hui, vous savez, ça fait combien de jours maintenant? Ils ne font pas conseil de ministre. Ça fait combien de jours que Mamadi est retranché dans son palais? Le mal est fait, hein? L'eau est versée. Mais c'était vous qui devez vraiment conseiller Mamadi. C'est vous, ses collaborateurs. Mais vous avez tous pensé à vos intérêts personnels, au vol, au mensonge. Malgré que lui, c'est un traître. Mais il est plus déçu que vous. Ceux qui le combattent là, Mamadi a plus confiance en nous que vous qui êtes là-bas, vous les escrocs. Vous qui êtes en train de lui mentir. Parce que Mamadi, c'est ce que Damaro dit, c'est la vérité. C'est vrai qu'ils ne veulent pas qu'on dévoile leurs secrets publiquement, mais ils savent que c'est la vérité. Charles, moi je t'ai dit, quand ton affaire a explosé ici, moi je t'ai défendu. 5 francs, malgré Era Mire, ils ont tout fait pour que Nga Kobri Tongo n'ait défendu. Non, je n'ai pas besoin. Injustice, je suis contre l'injustice. Ne rien, ceux qui t'ont sali là. Moi, j'ai combattu ça. Ita Kolo. Au Kobri Sogre, ne rien, et rassonira. Mise Falar. Même si vous m'avez enregistré ce jour-là. Ouassa, Kenema, Biringa, Ramen, Naram Falar.
Nara, je ne soutiens pas l'injustice. Parce que quand tu soutiens, ça va se retourner contre toi. Doni Nara. Ina Tongo Fuyafi. Doni Nara. L'injustice, c'est crédit. Quand tu prends, tu vas payer. Anoubukio Kifuyafi Afimane. Parce qu'on t'a parlé, imam. Et moi, quand je suis fini, mon erato, Charles. Hein? Tu laisses la mère de ton enfant. Tu laisses la maman de ton enfant. Tu as eu la chance que, rare dans l'histoire de la Guinée, un jeune qui devient ministre de la justice, ministre d'État, il n'a chance Biri Soto. Tu avais le plein pouvoir. Mais Barka, nana mérite moi. Nana, vous voyez pas combien de fois Ebara Febiri n'a pas en contre-bé. Et Koubiri monte, quoi m'a chassé aux États-Unis ici. Damaro, 5 étoiles. Et Nabiri Naba, juste pour me rabaisser, pour me salir. Et Barakli Birim Fala, il ne travaille pas aux États-Unis. Amoussese, et Barakou Birim Monté, c'est-à-dire des gars, les payés, s'ils m'attrapent, ils n'ont qu'à me bastonner. Maintenant, c'est mon refait. Mais c'est moi, Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu es droit, même ton ennemi est à quelques mètres, Dieu te protège. Comme vous avez vu l'histoire du prophète Nera. Histoire n'a qu'un. En bas des dunes, comment l'ennemi est venu, ils ne les ont pas vus. Allah n'a pas vu. Mais que nous voyons, continuez. Vous qui êtes là à côté aujourd'hui, soi-disant ministre du CNRD, vous êtes tous des prisonniers aujourd'hui. Vous voyez la situation. Les directeurs. La maman de Amara a fait combien de sacrifices ces jours-ci là. Parce que Mamadi. L'affaire de Sadiba, ça fait que quelques conseillers de Mamadi, ils disent, si tu arrêtes Ambara, l'opinion maintenant va se désolidariser complètement. Donc, vu cela aujourd'hui, Mamadi a peur. C'est pourquoi il est retranché aujourd'hui dans son palais là-bas. Il n'a confiance à tous ses menteurs-là. C'est quoi ses collaborateurs? Il n'a confiance, il n'a pas confiance à Bala, il n'a pas confiance à Idi Amin, il n'a pas confiance à Amara. C'est pourquoi aujourd'hui, il est perturbé aujourd'hui. Parce qu'il a compris que ce sont tous des menteurs. Parce qu'il a compris que toutes ces personnes, ils veulent aussi son fauteuil. Mais Mamadi, je t'ai dit, tu vas être le gros perdant. Tu vas être le gros perdant. Parce que les gens t'ont parlé ici, tu n'as pas compris. Attendez, ne répondez pas à cet imbécile-là, je vais juste le bannir. On va avancer. Non, ne le répondez pas. Ceux qui veulent insulter, ils peuvent insulter. Vous savez, tu vas dire, je n'aime pas le général. Mais tout ce que le général dit, c'est la vérité. Voilà. Et moi, je ne serai pas le supporter des traites. Je ne serai pas le supporter des traites. Donc, Mamadou Doumbouya, vous allez être le gros perdant dans tout ce jeu-là. Aujourd'hui, le fanfaron de Ousmane Gawal, vous êtes en train de lui donner des milliards pour de chercher à détruire l'UFDG. Vous savez, Dieu sait faire les choses. C'est pourquoi moi, je suis à l'aise dans ma tête actuellement. Dieu nous a donné l'exemple. Le CNDD, qui est devant les barreaux aujourd'hui, les dadis qu'on est en train de juger, qu'on les reproche de ne pas organiser des élections pour donner le pouvoir aux civils. La chose a mal tourné. Les leaders politiques, dans leurs droits, ont manifesté. Ça a dégénéré. Il y a eu des morts. Aujourd'hui, c'est le procès qui est en cours. Presque la fin. Maintenant, vous qui êtes en train de juger ces gens, vous qui avez organisé ce procès, vous êtes dans la même situation aujourd'hui. Et d'ailleurs, eux-mêmes, Sekouba Konaté, Dadis, ils n'ont même pas fait plus de 2 ans. Vous, déjà, vous êtes arrivés. La chance que vous avez eue, les Dadis n'ont pas eu cette chance. Nos caisses étaient bien remplies. Quoi qu'on dise, le président Fakonde, la bonne gestion, l'argent était là. On a connu Ebola, Covid, tout. Mais l'économie guinéenne se portait bien. Mais vous êtes venu, 2022, délapider tout ce qu'on avait comme richesse. 19 200 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Plus de 15 000 enseignants contractuels aujourd'hui. Dans tous nos ambassades aujourd'hui, nos diplomates aujourd'hui, ils n'ont pas de prime. Même dans tous les ministères, il n'y a plus de prime. La vie est chère aujourd'hui.
les factures d'électricité, doublées, triplées, l'eau, on n'en parle pas. L'injustice dans le pays, le général Sadiba, le chef d'état-major, qui est mort banalement comme ça. Donc tout le monde sait comment il est parti. Donc, vous pensez que vous, c'est vous qui êtes béni, c'est vous qui avez de la baraka, et que les Guinéens, on va s'asseoir, le pays en train de régresser, que non, vous allez dépasser le 30e. Ousmane Gawa, le fanfaron, il a commencé à parler qu'il y a cette durée indéterminée. Il n'y a pas de problème. On vous a dit, moi je remercie les leaders politiques. S'ils avaient anticipé les choses, on allait dire non, ils ne veulent pas la paix. Ils ont dit que le président Fakonde n'avait pas droit à un troisième mandat. Mamadou aussi ne dépassera pas le 31 décembre. Vous savez, vous êtes déjà avertis. C'est pourquoi vous achetez des maisons en Côte d'Ivoire aujourd'hui, à l'étranger. Parce que vous-même, vous saviez que ça peut péter à tout moment. Mais vous voulez forcer. On dit l'ingrat fait exprès. Mais Ousmane Gawal, comme vous voulez créer des foyers de tension, créer. Je crois que le document là est là. Je vous dis, Dieu sait faire les choses. L'histoire de la Guinée, Dieu sait faire les choses. Vous avez vu à l'époque, c'était Actu Guinée. En 2016. Ça, c'était en 2016. Vous voyez même les dates. Vous voyez les dates sont là. Lorsque Baouri a été viré de l'UFDG. À ce moment, il était toujours porte-parole à l'UFDG. C'est toujours le même fanfaron, Ousmane Gawal, qui disait ceci. Même si la justice nous demande de réintégrer Baouri, on l'exclura. Vous avez entendu? Ça, c'est les propos de Ousmane Gawal. Il n'est plus possible de collaborer avec lui. Ça, c'est les propos de Ousmane Gawal. Quand on voit ce fanfaron aujourd'hui, mis à la porte par l'UFDG, il n'est ni le numéro 2, ni le numéro 3, ni le numéro 4 du parti. Il ne dépasse pas M. Selou Baldé. Il ne dépasse pas M. Fodeoussou. Il ne dépasse pas M. Kalimodou Yansané. Il ne dépasse pas M. Chérif Ba. Il y a tellement de leaders dans l'UFDG que ce fanfaron, c'est lui qui avait dit cela dans le passé. Contre Baouri, qui est son premier ministre aujourd'hui. Quand on voit ce type-là s'agiter comme un grenouille, qu'Elan Seludal est exclu du parti, comme si c'est comme ça les règles, les règlements d'un parti politique. Donc, la famille, ne nous pressons pas. Et je dis merci aux leaders d'avoir respecté le chronogramme du CNRD. Il n'y a pas eu de manifestation pour les empêcher de travailler. Il n'y a pas eu vraiment même de sanctions de la CEDEAO. D'ailleurs, vous avez vu la sortie de la CEDEAO qui les a même caressés. Donc, rien ne les a empêchés d'organiser des élections. Et d'ailleurs, quand ils sont venus, c'est encore le même fanfaron de Ousmane Gawal qui a dit publiquement sur les ondes de Espace que l'argent qu'ils ont, qu'aucun gouvernement depuis l'indépendance n'a cet argent. Grâce au travail du président Alpha Condé qui avait fermé, qui avait gelé les comptes de tous les ministères. Ousmane Gawal l'a dit, tous les Guinéens sont témoins de ça. Ils ont tout dilapidé aujourd'hui. Ils n'ont pas organisé les élections. Et la vie des Guinéens ne fait que se dégrader. Donc ça nous arrange. Les Guinéens seront motivés, déterminés. Après, c'est-à-dire le 31 décembre, pour dire c'est la fin de cette transition. Si c'est la désobéissance civile qu'ils veulent, ils vont la voir. Partout, ils n'auront pas la paix. S'ils veulent mal finir, au lieu de sortir par la grande porte, ils ne veulent pas prendre la grande porte. On va les faire sortir par la fenêtre. Donc, moi, je vais demander aux gens de l'UFDG de ne même pas vous occuper de ce gueux-là. Parce que Ousmane Gawal, aujourd'hui, la mission qui lui a été confiée, et son poste dépend de cela, il faut toujours embêter le président Selou Dalé. Malgré qu'il a gueulé, qu'il a tout fait, on lui a donné des milliards, l'UFDG est toujours intact. Ça ne bouge pas, ça ne trempe pas. Et les fédéraux, c'est-à-dire, partout sur l'étendue du territoire, à l'étranger, ils sont encore déterminés pour Selou Dalé que jamais. Donc, laissez ce gueux-là en train de gueuler. La mission qui lui a été confiée, la mission a échoué depuis longtemps. Donc, ils ne pourront rien. C'est comme le RPG. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Toujours, ça tient bon. Donc, c'est à eux de comprendre. S'ils ne veulent pas aller, ils n'ont qu'à rester. Nous attendons le 31 décembre et demander leur départ. Déjà, le 20 du côté de Paris, il y a des manifestations parce qu'on avait appris que le bandit va partir.
Et moi, je suis sûr que le bandit n'ira même pas. Où il est aujourd'hui, l'affaire est encore plus rapide. La mangue aujourd'hui, il suffit d'un petit vent actuellement. On n'a pas besoin de lancer des pierres pour que la mangue tombe. On n'a pas besoin des échelles pour monter sur le manguier pour que la mangue tombe. Il suffit d'un petit vent actuellement. Déjà hier, vous avez vu dans plusieurs quartiers de Conakry pour des problèmes d'électricité. Ça, ce sont des manifestations qui n'ont rien à voir avec l'électricité. Les Guinéens, ils avaient le courant. Les bandits, les voyous sont venus. Ils ont tout détruit. Donc, aujourd'hui, c'est tout le peuple de Guinée, dans sa majorité, qui est en colère contre ces voyous-là. Donc, attendons le bon moment. Et là même, ça va bien péter. Comme ils ne veulent pas partir d'eux-mêmes, attendons le bon moment.